C'est à 700 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Boundiali, dans la région de la Bagoué. Ici, les producteurs de maïs viennent de voir leur rêve de longue date réalisé par Bayer West Central Africa, leader et pionnier de l'approche écosystémique, qui souhaite à travers cette initiative se rapprocher davantage des agriculteurs. La société spécialisée dans les sciences de la vie a en effet inauguré le 1er août 2023 le centre Moyer Eray de Boundiali, en même temps que 8 autres dans le nord et l'est de la Côte d'Ivoire. Ces centres dénommés Moyer Eray offriront des solutions concrètes pour améliorer la vie des producteurs en répondant à leurs besoins en termes d'augmentation de revenus, de vulgarisation de l'agri-entrepreneuriat et de contribution à la sécurité alimentaire. Donc ce projet, ça fait 5 ans qu'on a commencé à travers le monde entier, que ce soit le financement, que ce soit les semences, que ce soit les insecticides, vraiment tous ces éléments ensemble, on veut mettre à la disposition de tous les producteurs. Moyer Eray, ça veut dire bonheur. Et bonheur, ce qu'on essaie de faire chez Bayer, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos petits agriculteurs. Donc quand on dit petits agriculteurs, c'est souvent des agriculteurs qui ont moins de 10 hectares. Donc comment on va améliorer la vie de ces agriculteurs avec ces centres? Qu'est-ce qu'on leur donne? Finalement, on leur donne la possibilité de financer des intrants de qualité pour leur culture, notamment culture de maïs. On va leur permettre d'être formés justement sur l'utilisation des différents intrants, que ce soit des pesticides, des semences. Et on va aussi leur permettre justement l'accessibilité à ces intrants de meilleure qualité et aussi à moindre coût pour avoir une meilleure qualité de vie. L'ouverture du centre Moyer Eray s'inscrit dans l'un des projets phares de Bayer en Côte d'Ivoire appelé BLF, entendez Better Life Farming. Il vise à favoriser des vies meilleures pour les producteurs. Fait marquant de ce projet, c'est qu'il prend en compte l'ensemble de la chaîne de valeur agricole au profit du producteur. Et dans ce programme, ce que Bayer va faire, c'est connecter tous les partenaires de façon écosystémique, c'est-à-dire sur la chaîne de valeur, depuis l'accès au financement jusqu'à la commercialisation. C'est-à-dire que les paysans vont bénéficier de financement pour leur programme, vont bénéficier d'accès, vont bénéficier d'intrants de qualité, c'est-à-dire les semences, les produits phyto et les engrais, et ils vont avoir en fin de chaîne un acheteur pour récupérer toute la production. Plusieurs autorités administratives ont été témoins de l'ouverture du centre Moyer Eray de Boundiali, dont le préfet de région de la Bagoué, préfet de département de Boundiali, Kwadio Amos Assoma, qui a salué l'action de Bayer dans son département. Ce projet est à saluer et nous nous félicitons que Boundiali accueille ce projet. Nous voulons souhaiter que le BLF de Boundiali, en tout cas, réponde à toutes les attentes. Dans tout pays où les agriculteurs ne sont pas bien rémunérés, dans tout pays où les agriculteurs ne sont pas pris en compte, vous verrez que ce pays n'aura pas de paix. Et c'est pour ça, au nom du conseil municipal, en leur tête, la capitaine, la ministre Marie Toukoulé, nous tenons à vous dire merci. Merci, pour nous c'est une chance, la Bagoué, en particulier la commune de Boundiali, parce que Boundiali est une zone agricole. Les plus heureux sont les producteurs de maïs de la région de la Bagoué. En plus d'avoir accès aux intrants de qualité, ils verront régulièrement leurs capacités renforcées au sein des centres Moyer Eray. Pour rapprocher les intrants de très bonne qualité et très moins cher des producteurs, former les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Le défi de la sécurité alimentaire, nous vous sommes donné comme les motifs d'encourager les parents dans la production intensive de maïs. Et à travers la mise en place du centre BLF que nous dirigeons, avec notre structure agronomale SARL, nous espérons encourager davantage les parents à les accompagner dans leur activité agricole, de sorte à ce que demain, nous puissions relever le défi de la sécurité alimentaire, de l'amélioration des conditions de vie des producteurs et participer à la richesse nationale. C'est la joie de Bayer.
la joie du projet Bayer. Cette joie que Bayer nous apporte dans la Bagoué, le projet maïs. Aujourd'hui, le maïs est recherché. Avant, on parlait du coton, mais aujourd'hui, c'est le maïs qui est recherché. Mais la satisfaction des producteurs, c'est le fait d'avoir les intrants, la semence, les intrants de qualité et à moins de coûts. C'est ça qui nous fait, c'est ça qui anime notre genre aujourd'hui. Là. C'est une joie pour nous, les femmes. Vous savez que les femmes ne sont pas nombreuses dans l'agriculture. Mais le peu qui est là, au moins, aujourd'hui, nous sommes satisfaites. Parce qu'avec le projet, il y a des femmes qui sont dans le projet. Avec le centre BLF, vraiment, c'est une joie. On a ça tout près de nous. On va plus loin. Et c'est de la bonne qualité. Et ça va permettre aux paysans de gérer leur argent, les champs. Parce que nos paysans ont ce problème. Ils récoltent, ils vendent, mais ça n'a pas géré. Mais avec le centre BLF, ça va les permettre de gérer leur argent. Parce que si tu as un centre auprès de toi et que tu dois acheter, tu as besoin d'économiser et tu as besoin de gérer ton argent. Il est bon de souligner que l'ouverture du centre moyen RA de Boundiali a été l'occasion pour Bayer de célébrer son 160e anniversaire. Il s'agit de 160 années pendant lesquelles Bayer s'est attelé à mettre sur pied des produits et solutions innovantes afin d'atteindre sa vision, la santé pour tous, la faim pour personne.